Ce lundi 8 janvier, Cécile de France était l'invitée de Nathalie Lévy dans En aparté. Au cours de cet entretien en toute intimité, la comédienne a dévoilé avoir décliné un rôle aux côtés de Brad Pitt dans un film qui a rapporté pas moins de 540 millions de dollars au box-office. Un rôle qui ne l'a pas fait rêver. Cécile de France est actuellement à l'affiche du film Bonnard, Pierre et Marthe réalisé par Martin Provost qui sortira au cinéma ce mercredi 10 janvier. La comédienne donne la réplique à Vincent Macaigne, Stacy Martin ou encore Anouk Grimberg. Elle incarne dans ce nouveau projet l'énigmatique Marthe, la muse du peintre français Pierre Bonnard, le peintre du bonheur. Ce lundi 8 janvier, Cécile de France était l'invitée de Nathalie Lévy dans son émission En aparté diffusée sur Canal+ pour parler de la sortie de son nouveau projet, des conditions de tournage, mais également évoquer les moments clés de sa carrière. Il faut que je tombe amoureuse du projet, Cécile de France dévoile les raisons pour lesquelles elle n'a pas davantage accepté de projet de film américain au cours de cet entretien en toute intimité sur le fauteuil incontournable du programme. La journaliste lui a fait redécouvrir une séquence du film Au-delà de Clint Eastwood sorti en 2010 dans lequel elle a tourné aux côtés de Matt Damon et Bryce Dallas Howard. La comédienne belge a également joué dans d'autres films avec des acteurs internationaux tels que Le Tour du Monde en 80 jours avec Jackie Chan, Owen Wilson et Arnold Schwarzenegger, pour autant, elle n'a jamais réellement fait carrière à Hollywood. Un choix qui lui convient parfaitement. J'ai fonctionné pour les projets américains comme pour les projets de tous les autres pays d'ailleurs, de la même manière, c'est-à-dire qu'il faut que je tombe amoureuse du projet, du rôle, du réalisateur, et voilà, il y a des choses qui sont arrivées peu après ça, a-t-elle confié. Ce n'était pas un rôle très intéressant, Cécile de France confirme avoir refusé un rôle aux côtés de Brad Pitt dans un blockbuster à succès. Nathalie Lévy lui a alors demandé si elle avait réellement refusé un rôle aux côtés de Brad Pitt dans le film World War Z qui a engrangé pas moins de 540 millions de dollars au box-office. Oui. Bah oui, mais dans un film de zombies, je ne sais pas, ça ne me faisait pas rêver. Être la femme de Brad Pitt, oui, mais il manquait l'élément quand même. Le rôle était très secondaire, ce n'était pas un rôle très intéressant, pour jouer sa femme qui apparaît au début puis à la fin, moi, j'ai besoin d'avoir un vrai parcours, une vraie trajectoire avec un personnage qui évolue. Une vraie partition intéressante quoi, a-t-elle expliqué à la journaliste. Un rôle qui a été finalement interprété par Mireille Hénoz. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application Mi Canal. I just need some